je vous fais un petit unboxing. Donc, j'avais passé deux commandes sur Vinted. Donc, j'ai déjà ouvert celui-là, comme vous pouvez le voir. Il y avait un petit sticker. Donc, ça vient de la boutique, il me semble. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc, ce sont... Oh, j'ai mal ouvert la boîte, mais bon, c'est pas grave. Donc, ça... Hop. Donc c'est quelque chose que j'ai commandé sur Vinted. Donc ça, on regardera après. Ça vient de la boutique Orésine. Donc elle m'a écrit merci pour ta commande, à bientôt. Orésine, voilà. Et en fait, ce sont... Je vous les montre d'abord dans les pochons. Et après, je vous montre. Ce sont des cover minder, donc des aimants à diamond painting, pour tenir par exemple cette feuille ou la feuille plastique. Voilà, alors celui-là, je ne sais pas si je vous l'ai montré. Voilà, je vous les montre comme ça, puis je vous les remontrerai en détail. Voilà, donc... Voilà comment c'est présenté. Derrière, vous avez le petit aimant. Voilà, c'est un aimant basique. Voilà, donc. Donc ça colle bien, c'est... Donc voilà, pour celui-ci, qu'est-ce que j'ai fait de son petit pochon? Il est là. Hop, celui-là, c'est fait. Ensuite, le petit bonhomme de neige. Donc j'ai craqué, celui-là m'a fait craquer, du coup je lui ai pris. Donc je vous ai pas dit, je vais vous le dire maintenant. Donc voilà comment il est. En fait, elle met une feuille comme ça pour éviter qu'en fait ça se colle. Vous voyez que ça se colle. Vous voyez, les aimants sont quand même bien bien forts. Donc voilà pourquoi elle met. Vous voyez. Donc hop. Est-ce que vous verrez pas mieux sans le flash? Voilà. Et en fait, là, c'est des... comment on appelle ça? Des... Ici. Des sequins. Donc, les aimants sont bien forts. Hein. Voilà. Je vais le remettre dans son petit pochon. Oui, je les ai enlevés de la feuille, donc c'est bon. Ensuite, les deux derniers. Donc ça, c'est des Mickey Mouse et Minnie Mouse. En forme de... biscuit, je pense. Voilà, donc ça, c'est Mickey. L'aimant. Désolé pour mes ongles pourris. Ah ben, ça c'est pas mal. Celui-là il est cassé. Oh mince alors. Bon, je pourrais toujours remettre du... Je vais mettre du... Comment ça s'appelle? Du... de face dessus, c'est pas grave. Donc ça, ça arrive, hein. C'est vraiment pas quelque chose de méchant. Alors, par contre, j'en ai coupé un petit peu trop. Donc on va faire tac.
faire comme ça, c'est pas grave. J'espère que ça colle tout. Oui. Voilà. Voilà. Donc on résine, si tu passes par là, c'est pas trop, c'est pas grave. Hein. Vous voyez, j'ai mis comment on appelle ça? Du double face. Alors. Ouais, par contre, j'espère que ça va tenir. Hein. Ouais, non, je sais pas en vrai si ça va tenir. Un peu, mais bon, je vais le remettre dans son pochon. Et bon, après, je vais voilà, je vais garder, je m'en fiche. Hein. Je vais dire pour 4 rouges, si j'en ai 3 de bons, je vais lui dire, mais bon, après, c'est pas si on m'en a renvoyé un, m'en renvoie un, mais sinon, après, c'est pas quelque chose de. C'est clair que si celui-là, là, il est pareil. Hein. Donc, oups. Donc, voilà celui-ci. Vous voyez, celui-là, il est très bien. Hein, donc. Je ne vais même pas l'embêter avec, ça ne sert à rien. Donc, voilà. Donc, je vais les ranger. Je vais attraper un petit j'en ai un là. Là, voilà, parce que j'ai aussi un diamond painting que je me suis commandé. Donc hop, ça. Que j'ai de toute façon il n'y aura rien qui rentrera que j'ai alors je suis désolée c'est un peu le bazar et du coup alors je vais vous le montrer comme ça j'ai ce gros colis je l'ouvre et je vous reprends. Donc voilà, j'ai réussi à enlever les adresses et tout. Donc on va l'ouvrir ensemble. Alors, est-ce que... Alors je regarde juste s'il n'y a pas... Oui, non. Donc, comment je vais l'ouvrir? Ah, alors c'est mon cutter. Il me fait des siennes en plus. Donc, s'il y a des enfants, ça à utiliser avec les parents. Avec un des parents, du moins. Alors, je ne sais même pas comment je vais l'ouvrir. Donc, ça, c'est Vinted, hein, donc je ne pourrais pas vous mettre le lien. Désolée, je vous fais bouger, mais... Ouais, je sais comment je vais l'ouvrir. De toute façon, vu l'état du carton, je pense pas que je vais... Que je le garderai. Je vide ça, donc ça voilà, c'est bon. Donc voilà comment c'est présenté à l'intérieur.
beaucoup. Je vais vous montrer ça. Je vais mettre sur mon lit. Et ça ira pour c'est. Alors j'espère que c'est ça. Je vais juste la prendre en photo. Je prendrai les aimants aussi. Donc voilà, c'est un diamond painting licorne de la marque Diamond Dots. Je vous mettrai en lien sous la vidéo. Comment ça s'appelle les DMC qui... Parce qu'en fait, Diamond Dots n'a pas les mêmes DMC que les vrais DMC qu'il faudrait avoir. Donc, voli, voilà. Alors, est-ce qu'il y a un bout de scotch? Alors, je suis désolée. Je vous fais bouger, mais est-ce qu'il y a du... Ah oui, c'est parce qu'en fait, il y a juste... C'est scotché sur le côté. Alors, je pense. Ouais, voilà, c'est bon. Hop là. Donc, voici comment c'est mis à l'intérieur. Oh, j'ai toujours un petit peu peur quand je commence sur une telle. Hein. Déjà, ça. Avenir le talkie, c'est pas. Alors, là, pour l'instant, il n'y est pas. Ça, ça me gonfle. Quelques temps, ça m'énerve, donc hop. Je pense que demain, je ferai ma chambre. Vendredi. Alors, je vais vérifier que j'ai un tout kit. Après, je m'en fiche. Hein. Je vais en avoir ou pas. Ah, il y a des diamants à B. Ah oui, mon... Oh, c'est joli. Hein. Il est bien fait leur tout kit. Donc, je vais vous montrer. Alors, déjà, comment c'est fait à l'intérieur. Tac, voilà. Là, je suis... Ouais. Je suis assez contente pour l'instant. Nous avons un stylet avec un embout simple. Un petit confort grip à mettre autour du stylet pour pas avoir mal aux doigts. Voilà. Hop. Ensuite, nous avons la coupelle. Ensuite, nous avons un pain de colle, ou de je sais pas, il y en a deux, je crois. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a deux. Voilà. Dans un petit bocal comme ça, avec à l'effigie de Diamond Dot. Voilà. Quelques sachets refermables, donc je sais pas combien il y a de couleurs, mais on a combien de sachets? On a 2, 4, 6, 8, une dizaine à peu près, donc ça c'est bien. Donc voilà pour le toolkit. Donc déjà pour l'instant là, c'est bon. Donc moi les barquettes et les stylets je les garde. En vrai je garde tout maintenant. Les barquettes à bec comme ça, surtout les petites barquettes vertes qui a plus sur AliExpress ou Action, voilà, bof. Et les barquettes à bec comme ça. Je les garde. Donc on va regarder le DP. Donc ça c'est le petit sachet. Hop, les diamants, on les regardera après. Alors, je sais pas. Ah, déjà sont. Oh, ah bah tant pis. Fallait que je regarde. Je pensais pas du tout que c'était fait comme ça en vrai. Ouais.
pensais pas que c'était comme ça. Mais bon, c'est mignon. Donc voilà. Alors, la marque est écrite l'effigie Diamond Dots. Donc, on a juste la petite licorne à diamanter. Donc, c'est en partiel. Et les petits cœurs. La colle. Ouais, ça va. On a... une couleur. 18 couleurs. Ouais. Bah, écoutez, il est bien. Hein. Donc, voilà. Alors, étant donné que c'est de la colle coulée... j'ai pu l'enrouler. Hein. Donc, voilà. Alors, apparemment, on a une feuille de roue. Je pense que c'est une feuille de route. Ah non. Attendez, je vous dis non, je sais pas. Je préfère bien regarder. Non, en bref, c'est les explications de comment on fait du diamond painting. Donc vous avez en anglais, en français, je pense aussi. Voilà. Ce qu'on a dans le kit, comment on fait pour faire du diamond painting. On n'a pas la feuille de route. Alors attendez, je regarde juste un petit quelque chose. Je regarde juste un petit truc. Je vais entendre ma mère qui est partie pour mon chien. Oui, non, c'est un peu dans toutes les langues comment on fait du diamond painting. Mais ça laissera vite fait, hein, j'ai envie de dire. Enfin, je suis un petit peu déçue, mais bon, après, c'est de ma faute. J'avais qu'à regarder. Donc, les symboles, on va les regarder. Alors, la colle. Je sais plus si je vous ai dit. Ça tombe nickel. Il n'y a pas de pli, donc j'ai pas besoin. Donc on va regarder les symboles. Alors on a un point. Regardez les symboles sur le diamond painting. Alors, je suis désolée. Voilà. Mais bon, il me plaît bien. Donc, moi, celui-là, je vais dire, il sera vite fait. Ah, par contre, là, vous voyez, ça me fait une petite... Non, c'est pas une rivière, c'est parce que ça a dû être un petit peu enroulé, un peu trop serré. Voilà, alors on dirait des rivières, mais c'est pas des rivières. Comme d'habitude, alors, par contre, j'ai oublié d'attraper, bon, au pire, l'étiquette, je la frappe, c'est pas trop grave. On a les diamants. Donc, on a 18 couleurs. Mais il est là. Hop.
Voilà, alors je vais peut-être vous mettre le petit. Donc, vous voyez, là c'est du 94-11 pour Diamond Dots. C'est la première couleur. Mais c'est du. Je pense que ça, franchement, c'est du 5200. Alors, attendez, parce que ça brille. Je vais peut-être allumer ma lampe. Est-ce que ce sera mieux? J'ai l'impression que vous y voyez pas, donc c'est un peu. Voilà. Ensuite, est-ce que. Oui, oui. On va regarder dans celui-là. Ça, c'est la lettre, c'est la deuxième couleur. Bon, alors apparemment, il n'y a pas de diamant piqué, pas de déchets. Vous voyez, hein, ils ont leur propre code DMC. Bon. Ça, c'est la troisième couleur, voilà. Ça, je pense que c'est soit. Oh, elle est belle, cette couleur. Je ne sais pas c'est quoi. On dirait un 310 AB. Je ne vais pas dire de bêtises, non. Ah non, c'est pas. Ça doit être du 310 normal. Vous voyez, ça brille bien. Voilà. Nous avons un peu de cette couleur. Bon, je pense qu'il y a un peu de statique. Hein. Ah, mais il y a un petit déchet, j'ai l'impression. Ouais, regardez. Un petit déchet. Après ça, c'est pas. Nous avons ce vert. Ah, du jaune AB. Alors attendez, là. Je sais pas si vous. Alors est-ce que vous voyez là? J'ai une mauvaise. Si je vous mets ici, est-ce que vous voyez? Vous verrez mieux. Bon, voilà. Donc, vous voyez ce que c'est le AB. Il y a une fine couche de brillance un peu plus épaisse que les autres. Voilà, si vous prenez par exemple cela, vous voyez. Je vous laisse faire la comparaison, vous voyez, et ça fait holographique. Donc, je vais essayer de vous mettre autrement. Ça c'est du orange. Alors je suis désolée pour la luminosité, hein. Une luminosité de merde. Je vais vous mettre le flash. Je pense que vous voyez mieux quand même avec le flash. Voilà. Et la couleur de tout à l'heure, du coup, c'était ça. Là, on a ce bleu. C'est cool ça. Ouais, de la vie. C'est trop cool. On a ça. Hop. Là, je
sèche assez vite. Hein. Donc voilà. Alors, sincèrement, pour ce DP, je pense pas que je mettrai dans des... Voilà le deuxième AB. Dans des... comment ça s'appelle? Dans des rangements genre pilulier ou quoi. Parce que c'est pas des grosses quantités. Hein. Donc, je pense que je fonctionnerai. Je ferai d'abord la couleur, par exemple, A, la couleur B. Voilà. On a celle-là. Donc c'est le téléphone de ma mère qui sonne. Je suis occupée. Ça rappellera, c'est pas grave, on s'en fiche. Et on a ça. Cette couleur-là. Et ce violet. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là je vais tout ranger. Voilà, je vais tout ranger. Et du coup, ben, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Là, tout ce qui est unboxing, vous aurez un mini unboxing dans quelques temps. Dans 2 ou 3 semaines, parce que je me suis acheté 2 washi tape et 1 ou 2 stylets. Donc voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Ciao!